Tout de suite, l'actualité internationale avec l'Allemagne de l'Est, plus que jamais dans la tourmente. Les Allemands de l'Est continuent à fuir, vous le savez. En 4 jours, par exemple, depuis vendredi dernier, 6 000 d'entre eux ont passé la frontière entre la Hongrie et l'Autriche pour se réfugier à l'Ouest, bien sûr. Depuis un petit peu plus d'un mois, cela fait 42 000 d'entre eux qui sont passés par ce chemin. Et pendant ce temps-là, la contestation continue à l'intérieur du pays. Je l'apprends à l'instant, en ce moment même, à Leipzig. Des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est défilent ce soir pour protester contre le régime. Encore une église berlinoise pleine à craquer. C'est à l'Est, bien sûr, à Erlöserkirche. Pas de service religieux hier soir, mais du rock alternatif pour protester contre les violences policières. Révolte, volonté de démocratie, mais surtout tristesse. Chacun ici a perdu plusieurs amis dans l'exode des dernières semaines. Pour beaucoup de gens, c'est un véritable déchirement, ces départs massifs. En ce qui me concerne, j'ai perdu 20 copains et 3 vrais amis qui me manquent énormément. Je suis venue parce que je veux pouvoir voyager sans aucune contrainte. Je veux qu'on puisse exprimer librement des opinions différentes sans prendre un coup de matraque sur la tête ou je ne sais quoi. Et puis, je veux qu'on libère tous ceux qui ont été arrêtés le 7 octobre. J'ai un copain qui a été arrêté à la prison de Rummersburg. Ce qu'ils ont fait aux femmes là-bas, ça l'a achevé. Communication politique, déclaration de solidarité des travailleurs du théâtre, de certains étudiants et enseignants, on en profite entre chaque groupe pour recharger les accus de la foule, car un des risques du moment est que le mouvement démocratique retombe dans la passivité et la peur.